Bonjour à tous, donc me revoilà dans une nouvelle vidéo. Ce sera encore un vlog. J'ai de la peine à cadrer mes yeux des fois. Donc voilà, ce sera un vlog tout simplement car aujourd'hui je vais à Genève. C'est pas très loin de chez moi, mais bon, j'y vais pas souvent quand même. Et comme je vous avais dit que j'allais faire une espèce de truc avec la Suisse, bah je voulais pas commencer avec ça, mais bon, l'occasion se présente. Du coup, on va à Genève, je vous emmène avec moi. Je vais filmer à peu près tout ce que je vais faire et surtout aller dans les librairies qui sont gigantesques à Genève. Du coup, j'ai hâte de vous montrer ça. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos parce que j'aime bien faire des vidéos sur les livres, mais j'aimerais beaucoup faire des vidéos qui parlent un peu d'autres choses aussi pour pas rester vraiment trop dans un seul thème, trop catégorique et tout. Du coup, j'essaye de trouver de nouvelles choses en vous emmenant dans des librairies, enfin, on verra. Et puis dans un très très bon restaurant que j'ai hâte de vous montrer parce qu'il est très très spécial. J'espère que vous allez aimer. Ah oui, je me suis coupé les cheveux. Je sais pas si vous avez remarqué, peut-être pas. Parce que je ne pouvais plus des cheveux longs. Enfin bon, ils sont pas très courts non plus. Hein, mais voilà, je trouve que ça change un peu. Ça fait du bien pour l'été d'être légère. Et voilà, du coup, je vous dis à tout à l'heure.
Bon, voilà chez moi, voilà, je suis à peu près à 45 minutes, 1 heure de Genève, donc franchement ça va, c'est pas très loin. Je suis fatiguée parce qu'on a beaucoup beaucoup marché et beaucoup mangé surtout. Je voulais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. Donc aujourd'hui c'était samedi le 25 je crois. Du coup j'ai commencé par acheter après avoir mangé en fait dans le dans l'American Market. En fait j'ai pris des goldfish au cheddar. Ça franchement c'est la meilleure chose au monde. C'est, on peut pas s'arrêter, on commence à manger puis après franchement si vous avez l'occasion de tester, allez tester ça. Ensuite je suis passée chez Nature et Découverte et en fait je pensais pas du tout acheter ça, mais voilà, c'est de, vous l'avez déjà vu dans le vlog, mais c'est de la infusion en gelée à l'aloe vera, donc vous pouvez mettre dans l'eau chaude, dans l'eau froide, avec du miel, voilà, je vais y arriver. Et donc ça a été fabriqué en Corée du Sud, super, parce que j'ai comme projet d'aller en Corée du Sud. Et voilà, vous mettez, c'est marqué, mettre 2-3 cuillères avec de l'eau chaude. Et voilà, moi, franchement, en fait, c'était genre, vous pouvez goûter, et je ne savais pas quel goût ça avait l'aloe vera. Et puis j'ai goûté, et en fait, c'est hyper bon. Voilà, donc si vous pouvez tester de nouveau, n'hésitez pas. Et ensuite, j'ai donc acheté 2 livres. Enfin, ma mère s'est acheté Carnaval. Voilà, de Ray Célestine. Oula, faut que je me cadre encore. Donc ça se passe en Nouvelle-Orléans en 1919, tandis que la musique envahit la ville, un tueur frappe. Voilà, donc c'est un thriller, un policier. Ma mère aime bien ça, donc ça va. Mais moi, je me suis pris un livre que ça fait très très longtemps que je veux. Si j'arrive à l'attraper. Ça fait très très longtemps que je voulais acheter ce livre, mais j'ai jamais sauté le pas. Donc j'ai acheté Le Passage par Justine Cronin, ouch. Voilà, il est énorme, il fait 1200 pages, mais j'ai toujours voulu le lire. Après, j'ai peut-être pas choisi le poche le plus facile à lire, mais voilà, je sais pas, il me tente trop. Donc ça parle de, il y a une fin du monde, il y a eu une épidémie, du coup il reste plus que quelques survivants, puis il y a une fille de 14 ans qui arrive. Et en fait c'est un être, je crois, surnaturel, parce qu'ils disent dans le résumé qu'elle a 14 ans, mais en fait qu'elle en a 100 ans de plus. Et qu'elle est là pour sauver l'univers, du coup, enfin sauver le monde plutôt, hein. Du coup je suis hyper fatiguée, mais très contente de ma journée, donc j'espère que ce vlog vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, où je vous montre un peu genre les villes en Suisse comme ça. Et voilà, parce que j'aime bien faire des vlogs aussi. Bon, alors dans ce cas-là, n'oublie pas de commenter, d'aimer la vidéo, de la partager. Et je vous dis à très bientôt. Bye!